Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée en 2015 dans la ville en France. C'est l'histoire de Christophe, un jeune homme de temps qui aimait beaucoup faire du sport et surtout, il avait un rituel tous les dimanches. Il se faisait une petite marche à pied dans les bois à 4 minutes de chez lui. Ce dimanche-là, le temps n'était pas favorable pour son rituel. Un temps d'hiver. Mais Christophe décida tout de même d'y aller. En arrivant devant la forêt, il avait deux chemins. Mais Christophe prenait toujours le chemin le plus long. Mais vu les conditions de la météo, il connaissait aussi le deuxième chemin. Il était beaucoup plus court, mais il captait très mal le réseau. Et il était beaucoup plus loin de la civilisation. Christophe décida tout de même de l'emprunter et refusant l'option de ne pas faire son rituel ou bien même de prendre le grand chemin. 30 minutes plus tard, il se retrouve en plein cœur de la forêt et profite donc de faire une pause et de profiter du calme et de la beauté de la nature. Après avoir fait sa pause, il décida de faire demi-tour et de commencer à rentrer. Et puis il entendait un bruit venant de sa droite. Il tourne la tête et il découvre un chemin. Et au bout de ce chemin, il verra la chose la plus horrible qu'il aurait pu voir dans sa vie. Un corps au sol, sa tête en sang. Mais il restait figé sur place, car il ne voyait pas que seulement le corps. Il voit aussi la personne qui l'a tué avec un couteau à la main, qui dégoulinait de sang. Christophe comprend qu'il est en danger et qu'il vient d'assister à un meurtre. Il décida de courir pour sa vie. Le tueur le poursuit beaucoup trop vite. Christophe décida donc de se cacher dans un ancien bunker de la guerre. Tout à l'air calme, il se dit sûrement que le tueur l'a perdu de vue. Il se trompait. Les policiers retrouveront le corps de Christophe qu'il avait vu auparavant, démembré autour du cadavre de Christophe dans le bunker 2 semaines plus tard. Le tueur n'a jamais été retrouvé, mais les pistes indiqueront que c'est un fou qui s'est enfui d'un asile à 1 km de là, la veille des meurtres. 6 ans plus tard, 15 meurtres de la même méthode ont été signalés dans ce secteur, et le tueur est toujours en liberté, mais toujours introuvable. S'il y a bien une morale à retenir cette histoire, c'est de ne jamais se balader seul, sans réseau, et de ne pas partir loin, dans des lieux où personne ne peut vous entendre. C'est la fin de cette histoire. Je vous retrouve bientôt pour une autre histoire. Au revoir. I'm in the spotlight.